60 secondes, expat. Sur la radio des Français dans le monde. Avec Éric Gendry. Bonjour à tous. Les enfants français victimes de maltraitance sont-ils aussi bien protégés quand ils vivent à l'étranger que quand ils vivent en France? Cette question, plusieurs conseillers des Français de l'étranger se la sont posée et l'ont posée en co-signant un courrier adressé au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Question posée, quelle est la marche à suivre quant à la protection d'enfants victimes de violences commises par un proche ou par un tiers? Question qui naît avant tout d'une constatation, hein, d'un pays à l'autre. Les mesures de protection des enfants varient énormément, de rien du tout pour certains pays à beaucoup pour d'autres. La France, par exemple, la protection de l'enfance y est strictement réglementée par le Code de l'action sociale et des familles, dont découlent plusieurs dispositions réglementaires. Alors en fait, l'interrogation, elle est simple. Serait-il imaginable de signer des conventions bilatérales entre pays pour que n'existe en fait en Europe qu'un seul système de protection des enfants? Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a répondu, disons qu'il a réagi, en renvoyant tout le monde vers les consulats qui, je cite, « sont les interlocuteurs privilégiés des mineurs français victimes de violences et de leurs représentants légaux. Ceux-ci travaillent en lien, ajoute la réponse du ministère, avec plusieurs organismes dont notre bureau de la protection des mineurs et de la famille ». Fin de citation. On est bien avancé, mais content néanmoins d'apprendre dans la chute de ce courrier que le mieux pour les victimes est, je cite, de venir porter plainte en France. Ça s'appelle botter en touche. Enfin, ça nous aura occupé 1 minute 40. C'est déjà pas mal. Plus d'infos et plus de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.